Ce bateau est un bateau, est une goélette de 30 mètres, qui était un bateau catalan qui était censé faire la ligne avec le fret avec l'Amérique du Sud et les Philippines. Ce bateau est aujourd'hui classé monument historique. C'est-à-dire l'État français l'a classé monument historique. Bon, il est en triste état, mais enfin, c'est une des parties importantes du patrimoine maritime. C'est un des rares bateaux catalans qui est survécu, un des rares bateaux catalans de cette taille. Voilà, il a été construit en 1913 et c'est un voilier qui était gréé avec un gréement de paille-botte. Donc il y avait deux mâts. C'est une goélette. Bon, c'est un bateau assez rare. Finalement, il n'en reste que deux comme ça maintenant. C'était l'époque où Barcelone faisait un gros trafic de fret et de marchandises avec l'Amérique du Sud et les Philippines. Il y avait des lignes spécialisées. C'était avant la guerre de 14. Comme toujours dans les guerres, il y a un boom technologique, hélas. Et donc, après la guerre de 14, en 18, dans les années 20, les bateaux étaient des bateaux mécaniques, à propulsion mécanique. Donc ce bateau qui a été construit en 1913 s'est retrouvé déclassé. Donc en fait, il n'est pas allé aux Philippines, il est resté en Méditerranée. Et il faisait du fret depuis la côte jusqu'aux îles Baléares. Et il venait aussi en France pour transporter les oranges. C'était les bateaux qu'on appelait les balancelles. Donc c'était des bateaux qui venaient de la région de Valence et qui portaient des fruits et des agrumes, quoi, des fruits et légumes, hein, sur nos côtes. Et il y a deux bateaux qui sont classés en France, enfin en Méditerranée, deux bateaux classés seulement. Ces deux bateaux classés sont ici, ça prouve la vigueur du patrimoine maritime catalan. Hein. Il y a le Miguel Caldentei qui est là, et une barque catalane, donc un sardinal, et qui a été construit à Collioure. Le Miguel Caldentei, quant à lui, a été construit au Baléares, à Majorque. Comment est-ce qu'un bateau classé peut être resté dans cet état? Ah, c'est un grand problème. Hein. Un bateau classé, normalement, ne devrait pas être dans cet état. Donc, c'est une anomalie, et bon, les services de l'État sont conscients de ça, je crois, hein, veulent absolument essayer de remonter la pente. Alors voilà où est notre patrimoine maritime aujourd'hui, dans un triste état.